Les amis, et bienvenue dans une nouvelle vidéo spécialement pour les citations de Justin Carter. Les citations sont prises de son œuvre Le Mans de Sophie. La première citation: La vraie connaissance ne peut venir que de l'intérieur de chacun. Personne ne peut vous l'asséner. La vraie connaissance ne peut venir que de l'intérieur de chacun. Personne ne peut vous l'asséner. Deuxième citation. C'est triste que les hommes finissent par trouver tout naturel d'être en vie. Un jour, nous perdons cette faculté de nous étonner et la retrouvons juste quand nous sommes sur le point de quitter ce monde. C'est triste que les hommes finissent par trouver tout naturel d'être en vie. Un jour, nous perdons cette faculté de nous étonner et la retrouvons juste quand nous sommes sur le point de quitter ce monde. La troisième citation. Naître, c'est recevoir tout un en cadeau. Naître, c'est recevoir tout un univers en cadeau. La quatrième citation. Nous avons le droit d'espérer une vie après celle-ci, mais nous n'avons pas le droit de nous maltraiter et de nous servir les uns des autres comme si nous étions des instruments pour atteindre une existence dont nous savons au fond si peu de choses. Nous avons le droit d'espérer une vie après celle-ci, mais nous n'avons pas le droit de nous maltraiter et de nous servir les uns des autres, comme si nous étions des instruments pour atteindre une existence dont nous savons au fond si peu de choses. La cinquième citation. Un philosophe, c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment pu s'habituer au monde. Un philosophe, c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment pu s'habituer au monde. La citation numéro 6. L'univers est une énigme bouleversante. Dès que je m'interroge à son sujet, je me sens plus vivant. Peu importe que nous ne puissions pas répondre à toutes les questions. D'y méditer, cela suffit. L'univers est une énigme bouleversante. Dès que je m'interroge à son sujet, je me sens plus vivant. Peu importe que nous ne puissions pas répondre à toutes les questions. D'y méditer, cela suffit. La citation numéro 7. Il faut une bonne dose d'indépendance et de liberté pour se détacher de ses envies et de ses désirs. Il faut une bonne dose d'indépendance et de liberté pour se détacher de ses envies et de ses désirs. Citation numéro 8. Ce monde, songeais-je, est un miracle si fantastique qu'on ne sait pas trop s'il faut en rire ou en pleurer. Sans doute les deux à la fois. Ce monde, songeais-je, est un miracle si fantastique qu'on ne sait pas trop s'il faut en rire ou en pleurer, sans doute les deux à la fois. La citation numéro 9. Retenir ses larmes, voilà bien selon moi le comble du charnel, car lorsqu'on refuse à son cœur de s'épancher, le chagrin ne s'ancre-t-il pas en nous, pesant comme un fardeau. Retenir ses larmes, voilà bien selon moi le comble du charnel, car lorsqu'on refuse à son cœur de s'épancher, le chagrin ne s'ancre-t-il pas en nous, pesant comme un fardeau. La citation numéro 10 est la dernière. La vérité parfois passe mieux sous forme de satire. La vérité parfois passe mieux sous forme de satire.
Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu.